Est-ce que vous êtes déjà tombé sur le game caché de TikTok dans lequel il y a des constructions Lego de fou? Eh bien sachez que moi, ça fait 3 semaines que je regarde que ça. Et il y a 0 ban. Messieurs dames, bienvenue pour cette petite vidéo. Regardez ça. Aujourd'hui, on va se régaler et on va regarder des constructions Lego incroyables. Par exemple, ça, c'est le magasin Lego Amsterdam. Et regardez. What the fuck? Il y a des buildings entiers faits en Lego. Et des tableaux faits en Lego. Et des tableaux faits en 3D en Lego. Oh, c'est trop. Je vous propose qu'on fasse un truc là, pendant cette vidéo. Très simple, il y a une jauge. Voilà, la jauge elle s'affiche là maintenant, à côté de moi. Et au fur et à mesure qu'on va tomber sur des trucs de fou, cette jauge là, elle va augmenter. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, elle explosera si on tombe vraiment sur un truc de ouf. Pour le moment là, franchement, la jauge elle se remplit un petit peu. On est encore en bas, c'est pas un truc de fou. Ça c'est pas mal. Un fucking Lego qui avance, je trouve ça pas mal. La jauge augmente un petit peu. C'est pas non plus fou, hein. Franchement, on est sur un Lego qui arrive à marcher, quoi. Visuellement, c'est pas insane, tu vois. Mais c'est quand même assez stylé. J'aime même pas qu'on veut faire ça, vous savez. Ça, par contre, c'est fou. Ça, je vous le dis, c'est un Super Mario. Wonderful. Fabriqué en Lego. Et il est fonctionnel. Genre, tu peux jouer à Super Mario dessus. What? Je comprends même pas comment, genre, mathématiquement, c'est possible, en fait. Genre comment ça ne se casse pas? Je capte pas. Mais en vrai, très très stylé. Très stylé. Je comprends juste absolument pas comment c'est possible. Mais très stylé. On augmente un peu la jauge. Mais on l'expose pas. Un distributeur automatique en Lego. Qu'est-ce qu'il fait? Attends. C'est un distributeur? Et tu peux commander des Lego dans le distributeur? Non. Attendez, il n'y a aucun monde. Wow. Vous pensez que ça va marcher? Waouh, le mec c'est un programmeur du futur. Ok, donc là il a mis de l'argent, ça tombe et ça descend. Ça fonctionne. Visuellement c'était pas ouf. pour moi on est sur un 3 sur 10 là. Un engin récolteur d'herbe en Lego. Quoi? Non mais ça y est, comment ça? Comment ça tu fais un tracteur en Lego? Qu'est-ce que c'est que ce truc, messieurs dames? Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter avec ces objets du futur. Là j'avoue c'est un bon 7 sur 10. C'est un bon 7 sur 10, le truc est trop stylé et il marche vraiment en fait, c'est ça qui est fou. Oh, comment j'aurais rêvé à voir ça quand j'étais gosse. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh. Ça tient en équilibre. Oh yeah. À part ça, le truc est tellement blanc que la meuf, on dirait qu'elle a pas de corps, voilà. Tout le monde s'en fout de ce détail? Ok, très bien. Messieurs, dames, écoutez le son de cette vidéo. C'est un TikTok incroyable, écoutez. C'est un peu de l'ASMR. Et en même temps, c'était pas ouf. Je m'attendais à un truc bien mieux. Cuisiner un hamburger en Lego. Oh, regardez comment c'est mignon. Hop là, il coupe un peu le fromage. Hop, un petit bout de fromage. Une petite tomate. Oh là là. Mais c'est trop stylé. Regardez ça. Les petits oignons. Un peu de mayonnaise et on a un super hamburger en Lego. J'ai presque envie de le grailler. Alors c'est des Lego, c'est du plastique, ne faites jamais ça. Des prothèses de main en Lego? Quoi? Quoi? No way, ça marche vraiment. Ok, j'avoue, c'est incroyable. Et en même temps, c'est un peu creepy, mais c'est incroyable. Une maison fonctionnée en Lego. Alors mais là, le mec il a détruit le game. Ça y est, il a gagné le game des Lego. Il a fait sa maison entière en Lego, messieurs dames. 7 sur 10. Attends, on va même voir à quoi ça ressemblait. En vrai, je trouve que c'est pas très beau. Genre, c'est pas très joli, non? Vous trouvez pas? Genre, je comprends l'idée, tu vois. Mais en vrai, c'est moche, non? Genre, c'est presque un peu creepy. Ok, il y a un piano, il y a des escaliers en Lego. Il monte dans une allée complète en Lego. Comment ça a dû lui prendre des années? Oh, regardez, il y a même le plafond en Lego, les gars. Mais comment ça tient? Vous pensez que ça tient vraiment avec des Lego? C'est sûr qu'il y a des vraies fondations derrière, elle a mis des Lego autour, genre. 5 sur 10. À part ça, la maison n'était pas très belle, on est d'accord. Ces gens ont littéralement fait Thanos en taille réelle.
c'est bon pour vous. En Lego. Voilà, pendant ce temps, moi, eh ben je joue avec les petits Lego Star Wars comme ça, voilà. Et ces gens-là, ils ont fait Thanos. Regardez ça. Regardez comment c'est incroyable. Ça c'est quoi? C'est un bras? C'est un buste? Qu'est-ce que c'est que ça? Il met toutes les petites pièces et il les colle en plus, c'est ça qui est fou, du coup ça va tenir. Hein. Regardez. What? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Il est tellement bien fait. Oh. Ouais, non, c'est très très fort. C'est vraiment très fort. Incroyable. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il existe des parcs d'attractions Lego. Il y en a pas beaucoup en Europe, mais notamment, regardez ici au Danemark. Regardez à quel point c'est insane. C'est un parc d'attractions avec que des trucs en Lego partout, genre. Oh. What? En vrai... En vrai, c'est très stylé. Je sais pas si ça marche bien, je sais pas s'ils font vraiment des ventes, mais je trouve ça quand même assez stylé. Genre, t'as des méga constructions Lego partout. Franchement, c'est trop cool. C'est un peu mon rêve. Je pense que, secrètement, je rêve d'aller là-bas. Un réfrigérateur en Lego. En vrai, c'est mignon. Vous savez, tout à l'heure, on parlait d'un mec qui a fait sa maison en Lego. Eh bien, si je vous dis qu'il y a quelqu'un qui a fait une ville entière en Lego, messieurs, dames, regardez ça. Une fucking ville. Une ville entière fabriquée en Lego. Est-ce que c'est pas une dinguerie, genre? Elle est insane, elle est immense, hein. Qu'est-ce que... Oh! Oh, ça va être un rap... Ça va être un barrage? Regardez, ils font une expérience de barrage. Oh! Vous pensez que ça va se détruire et ça va atteindre la ville à droite? Donc là, il met de l'eau, il met de l'eau, il met de l'eau. En vrai, il tient bien, hein. En vrai, le barrage, il tient bien de ouf. Ça a tenu? Le barrage, il a tenu! Messieurs, dames! Messieurs, dames, le bar... Non! Non! Non, les gens! Non! Oh non, ils se font tous inonder! En vrai, c'est trop stylé de regarder ça. J'aurais trop kiffé de regarder ça quand j'étais petit. C'est incroyable. Regardez, ils ont mis des caméras partout pour avoir toutes les visions. Non! Félix! Félix, il y a l'eau qui tombe de partout! Non! What? En vrai, c'est trop bien fait, hein. C'est trop trop bien fait, j'adore. J'aime trop ce genre de petites vidéos où... Regardez comment c'est bien fait. On est genre là, on est tranquille. On est sur cette petite chaîne secrète. On n'est pas nombreux, hein. Je crois qu'on est tout bientôt 100 000 abonnés. On n'y est pas encore, hein, mais on est tout bientôt 100 000 abonnés sur cette chaîne secrète. Et juste, on chill. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on se prend pas la tête, on est là, on chill, nos pressions, et juste, on je sais pas, on rigole ensemble. Mais je trouve ça trop bien, en fait. C'est juste des moments où, après les cours, on se détend et on kiffe, tu vois. Et je trouve ça vraiment trop cool. C'est vraiment le concept de cette chaîne, hein. D'ailleurs, pendant que je parle, je sais pas si vous voyez les images qui passent à l'écran, c'est trop stylé, c'est un musée Lego. Je sais pas si vous connaissez. On a eu tout à l'heure un parc d'attractions Lego, là, il y a des musées Lego, genre. En vrai, c'est très cool, hein. Très très cool. Une crafting table, comme dans Minecraft. Oh! Ok. Oh, quoi? Ok, très stylé, attention pour une torche. Est-ce que ça va vraiment marcher? Le charbon, il est mis à droite. Oh! Comment ça? En vrai, c'est trop bien. Je sais pas comment il a fait, mais c'est trop bien, genre. Mais 4 sur 10, parce que visuellement, c'était pas incroyable, tu vois. La ville, par contre, je l'ai pas dit, hein. La jauge, elle a explosé, là. La jauge, elle a explosé. On était à 9, hein. La ville était incroyable. Une étoile de la mort. Oh! Mais là, il faut faire une minute de silence, là. Oh, il était en train de dire, waouh, ouais, regardez les gars, j'ai passé 2 semaines à la construire. Allez, c'est tout pour moi. Non, c'est horrible. Hein. Il pilote un drone en Lego, regardez ça. Waouh, c'est pas si ouf. Mais peut-être que ça peut être ouf si c'est volé en extérieur, oui. Oui, oui, non, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, c'est dessous. C'est vite redescendu quand même. Une illusion d'optique. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça se voit que c'est pas... Ça se voit que c'est un... Ouais, bah oui, bah oui. Ça se voit de ouf, hein. L'illusion d'optique, elle est éclatée au sol. Est-ce que vous êtes fait avoir ou pas? Moi, franchement, je me suis pas fait avoir du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes fait avoir. Moi, franchement, 2 sur 10, cette illusion. Une arme automatique en Lego. Vous avez déjà vu ça? Regardez bien. Oh! Oh mon Dieu. Ça va être une mitraillette? Une mitraillette en Lego, ok, ça c'est incroyable. Ça, je vous préviens.
Oh my god. Il va tirer sur tout le monde avec une mitraillette automatique. Oh, what the fuck, ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. Wow, c'est incroyable. C'est mon rêve. Ce genre de petit gun là en Lego, sachez que c'est mon rêve, vraiment. J'ai toujours rêvé d'avoir ça. En vrai, pourquoi est-ce qu'ils ont pas commercialisé ça à Lego? Genre, c'est trop stylé. Une machine en Lego plie et envoie des avions en papier. Quoi? Donc là, il est en train de plier des avions. Et elle va les envoyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, what? What? Très cool. Très très cool en vrai. Ce mec a littéralement passé 10 ans de sa vie à faire une Jeep en Lego. Voilà, regardez. Oh! Je me suis senti premier degré mal pour lui. Vous avez vu sa tête? Il était dépité. Non, 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 mais non, mais non, mais là, ça y est, c'est quoi déjà? Juste, c'est quoi sa cave? C'est quoi sa cave? What the fuck? La Tower des Avengers, c'est tellement stylé! What? Mais c'est immense, c'est immense. Mais Lego, il devrait le payer pour faire de la pub. Hein. Écoutez bien, l'eau, c'est des briques d'eau qui descendent. Sauf que c'est pas de l'eau, c'est des briques de Lego. Regardez bien. Wow, c'est trop satisfaisant. En vrai, j'adore. Je trouve ça incroyable, genre. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça trop satisfaisant, genre. En plus, l'eau, elle est genre turquoise et tout. Construction d'une boîte en Lego. Qu'est-ce qui... Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, ça risque d'être très satisfaisant, attention. Oh. Oh. Très très satisfaisant. Franchement, celui-là, il paye pas de mine, mais je lui mets un bon 7 sur 10. Il est trop bien, genre. En fait, il est hyper satisfaisant, regardez, genre. À part ça, je kiffe tellement ce genre de vidéo, les gars. C'est vraiment, genre, ça fait 2 semaines hein, que je fais que de regarder des trucs comme ça sur TikTok. Genre, c'est trop cool à regarder, genre. Regardez bien, hop là. Un petit véhicule qui fait des dominos. 4 sur 10 parce qu'en vrai c'est marrant parce qu'après tu peux faire tomber les dominos mais c'est pas non plus si ouf que ça, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai c'est un peu marrant. Ouais, c'est bien joué. Oh! Il peut tourner! Ça change tout! Ça veut dire qu'il peut faire un énorme domino et ça c'est fou! Oh! What? Je savais même pas que ça existait une machine qui peut poser des dominos, genre. Je voulais qu'il fasse tourner le domino. Ça aurait été trop satisfaisant, regardez. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Avant qu'on continue, bon, oui, on peut parler d'image à ma droite, mais est-ce qu'on peut parler 2 secondes de mon bonnet? C'est bon, voilà, messieurs, dames, je tiens à être honnête avec vous. Je suis en train de faire un projet capillaire. Voilà. Il y a un projet capillaire qui est en cours. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas terminé. Donc, pour le moment, j'assume pas trop, j'ai un petit bonnet. Voilà, et vous risquez de voir ce petit bonnet de temps en temps sur ces petites vidéos sur cette chaîne secrète. Voilà, écoutez, hein, ça reste entre nous, c'est un petit projet, c'est secret, voilà, ça reste entre nous. Il y a une pizza qui fait des Lego pendant ce temps, voilà. L'inverse, des Lego qui font une pizza, voilà, pendant ce temps. Pendant que nous, on est là, tranquille, voilà, il y a des gens qui inventent des machines pour faire des pizzas automatiquement. Ils construisent un immense truc en Lego, regardez bien. C'est un piano. C'est un piano, ça va être un piano. Est-ce que vous pensez que ça va jouer des notes de musique, genre? Wouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? C'est trop satisfaisant de le voir construire ça. Oh, je pourrais regarder ça toute ma vie, genre. Juste un mec qui construit des Legos. C'est simple, hein, je suis un mec simple, moi, avant tout, hein, vous savez. Ce genre de truc-là, ça me régale. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Je pense que ça va être un énorme piano. Hein. Et vous pensez que ça va vraiment faire de la musique? What? What? Oh! Comment ça, il marche vraiment? Le piano fonctionne vraiment, les gars. Ça, c'est ouf. Une machine à pince en Lego. Quoi? Mais frère, mais en fait, on peut construire tout mon Lego, c'est fou! Est-ce qu'il va réussir? Attention à ce qu'il va réussir.
Ça passe. Another neat feature of the EV3 brick and the coating sequence that I designed is that I can adjust the strength of the cloth as well as how much it closes. And of course, I always have it set on the highest strength setting, as most claw machines are known to be rigged. This one certainly is not. See, I just won 2 prizes in 1 grab. They just fall down the prize chute here. Ouais, c'est très bien fait. Franchement, bien wesh. The brick wall. Qu'est-ce que c'est que ça? Il paraît que c'est une machine qui peut couper des fruits. Quoi? Quoi? C'est une machine qui coupe des fruits avec des Lego? Ok. J'achète. What the fuck? Regardez ça! Un Bowser géant en Lego, les gars. Oh, il est gigantesque. Il est immense. Hein. What? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça lui a pris 3200 heures. 3200 heures pour faire ce immense browser géant. Et en plus, je crois qu'il peut bouger. Il peut bouger. Hein. Il emploie 6600 pièces Lego. Regardez ça. What? Mais carrément, ils doivent le transporter avec des camions, genre. Oh. Mais il est incroyable. En vrai, franchement, hein, il est incroyable. Hein. Je trouve qu'il est trop stylé, genre. Et ils étaient genre 10 à le faire, ça c'est ouf. Ça c'est fou par contre, être 10 pour faire un truc Lego genre. Écoutez le bruit. Oh, c'est très satisfaisant. C'est des constructions de Lego mais genre souple. Oh là là, j'adore. C'est incroyable, et j'ai le hockey. Voilà. Si j'ai pas le hockey une fois sur deux sur mes petites vidéos sur la chaîne secondaire, voilà, faut qu'on m'explique pourquoi. Ah les gars, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Un parc aquatique, mais en Lego. Regardez bien. Donc là, il remonte. Hop. Hop. Il fait son petit toboggan. Oh. J'ai le hockey encore. Il descend. Oh là là. Let's go. Oh. J'en peux plus. En vrai, c'est trop stylé. Hein. C'est trop trop stylé. Et il est là, il fait sa petite baignade. Et ensuite, il repart. En vrai, c'est trop bien fait. C'est trop... genre tout le parc, tous les détails et tout. Oh, un réveil. Une horloge. Oh. Et ça change les heures? Oh. Ok. Très très cool. Très très cool. En vrai, ouais. Très sympa. What? Regardez le mécanisme à l'intérieur. Oh. J'en peux plus d'avoir le hockey, s'il vous plaît. Regardez, à vitesse plus rapide, qu'est-ce que ça donne, genre? Oh là là, s'il vous plaît. Oh. Oh, là, il y a un changeur, attention. Ah, c'est pas très rapide, hein. Mais c'est bien fait. En vrai, c'est grave bien fait, genre. D'ailleurs, en parlant de trucs bien faits, vous savez que là, maintenant, là, tu peux cliquer sur ton écran maintenant. Hop, je t'invite à le faire, d'ailleurs, pour continuer à passer la soirée avec moi. Parce que c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais t'inquiète pas, je sais que t'as encore envie de chiller un petit peu avec moi, de regarder d'autres vidéos, de te reposer un petit peu. Donc, fais-toi plaisir, clique sur ton écran maintenant pour continuer à passer la soirée avec moi, pour continuer à kiffer avec moi. C'était Noah, ce fut un plaisir. Bye, les gars. Et j'en peux plus d'avoir Loki. Voilà, je vous le dis.